What? Ah! Vite! Je suis mort! Oh mon dieu! Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve sur Ao Oni en 3D. Donc c'est une version démo. Donc on a la chance d'avoir le jeu en français. C'est cool, c'est parti. Dans une maison à l'extérieur du village. Des rumeurs sur un monstre y apparaissant se sont répandues. Tout récemment. Oh là là, c'est tellement beau comme ça. C'est beaucoup plus beau à l'intérieur. C'est juste moi ou il fait froid ici? Eh, sortons de là. Qu'est-ce qui ne va pas, Takeshi? Tu es effrayé? What? Il y a un bruit de quelque chose s'est cassé? Eh, sortons de là. Tellement stupide. Il n'y a pas moyen que les monstres peuvent exister. C'est scientifiquement impossible. Eh, Hiroshi, fais attention. Ok. Donc rappelez-vous, on avait fait la version 3D en démo aussi. C'était une autre façon. C'était un peu plus façon cartoon. L'original est en 2D. Je pense que j'ai pas trop le choix. Je vais avancer tout seul. Ça me rassure pas tout ça. Ok, je peux focus des objets. Ok, verrouillé. Attendez-moi. Attendez-moi toujours. Ok. On a des pâtes à la bolognaise. Donc là, on a un objet. Plate shard. On a un morceau d'assiette. Ils ont disparu. Donc j'ai un morceau d'assiette. Ok, toujours verrouillé. Oh là là, l'ambiance est horrible. Verrouillé aussi. Vous avez vu ce que j'ai vu? Oh mon dieu. Ok, de toute façon, on va pas là. C'est mort. On va là à l'étage. On peut pas partir, hein. On peut vraiment pas partir, sinon je l'aurais fait depuis longtemps. Ok, donc on a l'inventaire. Oh, ça va être horrible. Je vais fermer derrière moi. Donc là, on a une clé, les amis. Donc, la clé de la librairie. What? Il est caché? Qu'est-ce que tu fais là? Normal qu'il est caché ici? Je peux pas lui parler? Ok, je pense pas que je puisse lui parler. Bon, nous on va continuer. Malheureusement, j'aimerais bien me cacher avec lui. Pour l'instant, c'est horrible. Ok. Tout est verrouillé pour l'instant. Ici. Ok, on va redescendre. Ça doit être au rez-de-chaussée. Ok, on va tester cette porte. Ah! Oh mon dieu, vous l'avez vu? Donc c'est ici la bibliothèque. On peut sprinter. J'ai pas envie de sprinter. C'est quoi ça? Ok, il y avait une clé en dessous, merci. Ah! Vite! Je suis mort! Je suis mort! Je suis mort! Je suis mort, les amis. Bedroom key. Ok, j'ai réussi à le semer. Oh my god! C'est où la bedroom key? Ok, c'est là. Oh mon dieu! On peut parler? Personne ne veut parler que moi! C'est horrible, qu'est-ce que c'est que ça? End kerchief. Ok, je ne sais pas du tout ce que c'est. On va se fier sur le dessin. Les gars, c'est horrible là! Ils sont tous en PLS, ils veulent pas me parler? Donc ça, je vais devoir l'utiliser quelque part, peut-être ici. Oh! Et du coup... Bathroom key. Ok, c'est celle d'en bas, où on l'avait vu la première fois, il me semble. Ils sont complètement malades à rester comme ça. Je pense que c'est là. Yes, c'est là. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc on va vider la baignoire. Bedroom key encore? Va falloir trouver laquelle, les gars.
En fait, c'était la clé d'ici. Du coup, j'ai un tournevis. Et j'ai du savon. Qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça? J'ai très peur de tomber sur lui. Mon dieu. Les bruits de vent et tout sont horribles. Toujours là, toi? On peut se cacher, yes! On peut se cacher. Ah, mais attendez, ça veut dire que... Mais il a été enlevé, du coup? Ok, on se rappellera qu'au premier étage, on peut se cacher. Elle est toujours là? Ok, on peut pas ouvrir ici. Verrouillé. Ok, ça s'ouvre. Yes. Du coup, nouvelle clé, top west bedroom. Hiroshi, tu vas bien? Ah, il m'a fait peur. Ouais, je suppose. Hiroshi, tu l'as vu aussi, ce monstre? Ouais, c'est tellement incroyable qu'une créature comme ça existe. Toutes les issues sont bloquées, nous sommes piégés ici. Il semblerait. Séparons-nous et regardons, je vais vérifier le premier étage. D'accord, bonne chance. Ok, bah bon courage mec. Donc là, il nous faudrait une poignée. Et là, je pourrais me planquer aussi. Oh là là. Ça va être trop de fou. Ok, je peux aller ici. Qu'est-ce qu'on a? Yes, on est passage. D'accord, donc on aura un code ici. J'ai la clé du piano. Il y a du sang, les gars. C'est pas bon signe. J'ai très peur, s'il arrive là on est mort hein. Donc le code on l'a pas encore. Je pense qu'on l'aura avec la combinaison du piano. Ok, donc Anker Shift. Je pense que si on le combine avec le savon, je sais pas si on peut le combiner en vrai. Normalement c'est un tissu pour nettoyer ça. Il me semble qu'on ait fait ça dans l'autre version. Alors attendez, je viens de réfléchir. Il y avait un item à prendre en haut. Ça. Est-ce que je peux prendre cet item? Normalement on peut interagir avec les objets quand on les voit comme ça. Attendez, si j'utilise peut-être le tournevis dessus. Ok! Ah ouais, faut vraiment utiliser l'item au bon endroit en fait. La poignée, je l'utilise où? Ici? Non. C'est pas ici. Alors peut-être au rez-de-chaussée. Genre là. Non plus. Ok, les amis. Là, j'ai l'air un peu perdu pour l'instant. Ok, si je fais le savon comme ça, comment on combine les deux? Yes, j'ai combiné les deux! Ok. Alors c'est très compliqué, j'ai rien compris, mais c'est fait. Et du coup, 176. Ah! Ah! Oh mon dieu! Oh my god, quand on meurt, on recommence de zéro, les amis! Ouais, mais non! C'est horrible! Donc, c'est où qu'on doit se planquer, du coup, vu que lui est dans la librairie? Ah! Même quand on s'y attend, c'est horrible en fait! Ok, ciao! Ok, il a disparu. Je vais ce jeu. Ce jeu, il est horrible, vraiment. Du coup, piano. Il faut vite fuir en haut, les amis. D'accord? On va utiliser ça. Et je me barre. On fout du code. On fout du code! Oh mon dieu. Oh my god. Je sors plus. J'attends, je sais pas s'il doit claquer la porte. Oh, ça fait flipper. Vous pensez qu'on peut y aller, là? Bon, 1, 2, 3. Ok, ciao. Du coup, on ferme ça. 176. 176. Et c'est où le valider? Faut inventer un chiffre après? Ça se passe comment au niveau du dernier chiffre, les gars? Ok, les amis, j'ai testé toutes les possibilités et le code ne marche pas, en fait. C'est trop bizarre. Je sais qu'on a trois chiffres et dans l'ancienne démo que j'avais testé, c'était le même principe. Donc soit on mettait le chiffre avant, soit après, mais là, il n'y a rien qui fonctionne. Yes, la clé. Donc le code n'avait rien à voir, j'ai dû mettre une version debug. Ok, du coup. La kids bedroom, ok. Je pense que c'est en bas. Ok, là, c'est verrouillé. Et là, si on utilise... Yes, la plate shard. Et là, le poignet...
Nickel. Et là, normalement, il y a un passage secret derrière. Yes, c'est ça. Nickel, les amis. Il y a la clé. Ah, oh mon dieu, c'était limite. What? On est foutu. On est foutu. Je bouge plus de là, moi, c'est mort. J'ai peur. S'il arrive, on est mort. Hein. Yes. Hein? Ok. Il y a eu le cri. Il y a eu le cri de la fille. Donc je pense qu'on n'est pas beaucoup de survivants là. Qu'est-ce que c'est que ça? Encore un tournevis? Ah, attendez, ben, je pense que la démo s'arrête là en fait. Ok, malheureusement, ben, la démo elle est pas terminée. Donc faudra attendre une prochaine mise à jour. Donc on va se laisser sur ça.